et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. À Sainte-Ingrid Cabongo, face à vos grands écrans, encore heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine de Entre nous. Vous êtes au Carrefour et le Carrefour des personnalités se trouve ici. Nous sommes présentement à Kinshasa. En ce mois de décembre, d'ailleurs, nous souhaitons déjà d'avance de très bonnes fêtes et nous sommes heureux avec vous de vous dire que sortez couverts, vu que c'était il n'y a pas très longtemps la journée même. La personnalité que je reçois aujourd'hui n'est tout autre qu'une auteure, compositrice et interprète de musique gospel. Elle est femme entreprenante et mère de famille, issue de la grande famille de Gaël. Elle est une artiste à la voix incroyable. Quand je dis incroyable, étonnant. Vous ne pouvez même pas imaginer à travers sa voix s'exporter dans le monde entier. Et vous l'avez reconnue surtout pour cette qualité-là, parce qu'elle est capable de vous faire pleurer. Une voix assez mélancolique, une voix qui est capable d'aider, une voix qui est capable de consoler. Et voilà toutes ces qualités qui sont en elle-même. Elle est aussi pasteur aux côtés de son mari, qui est d'ailleurs lui-même chante, le pasteur Adams Bouma. Donc j'imagine que vous voyez déjà de qui je vous parle. Alors elle est combattante, vaillante et amoureuse du Père Céleste. Elle a été, par son talent, récompensée à 3 reprises. C'est dans Entre nous qu'elle se livre. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ici Nadège Impoté. Mouma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous avez apprécié de tout ce que j'ai dit? Est-ce que c'est combattante, vaillante et amoureuse du Père Céleste? Pas possible. Non, non, il n'y a pas Coco, ça. Mais bon, il y a tellement de choses parce qu'on a vécu quand même et à chaque étape de la vie, il y a beaucoup de choses. Si seulement il fallait commencer à nommer toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes passés, de joie, de pleurs, de rire, il y en a beaucoup. On a quand même essayé de faire un condensé. Oui, oui. Avec plus de 20 ans de carrière, vous imaginez? Vraiment. Alors justement, aujourd'hui, dans cette émission, c'est un réel plaisir parce que pourquoi? Les femmes ne sont souvent pas toujours représentées et dès qu'on a l'occasion d'avoir une femme, quel que soit le domaine donné, c'est un moyen de pouvoir, je pense, impacter, de se dire que bon, il existe malgré tout et qu'au final, à nous-mêmes, on est capable de faire les grandes choses, même des fois bien plus, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, le fait même que nous soyons en vie, nous ne sommes pas... Au fait, Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas envoyés sur terre pour être une représentation de quoi que ce soit. Dieu nous a envoyés sur terre avec une mission bien précise. Alors, quand vous êtes femme, ne vous minimisez pas. Vous avez un but à atteindre avec le Seigneur. Vous avez une mission à accomplir. Alors, que ce soit d'abord, qu'on soit d'abord païen ou chrétien, ça n'a rien à voir. Chaque être humain que Dieu crée sur cette terre a une mission bien précise pour l'accomplir, quoi. En tout cas, ce sont ces paroles. Je sens qu'aujourd'hui, nous allons tous être bénis. Au commencement, il était cadette d'une famille de 3 enfants. Actuellement 3 enfants, c'est vrai qu'on n'a pas été 3, mais actuellement c'est 3 enfants, donc un homme, une femme et moi. De nature? Bon, Banasuka, on dit souvent les... On leur laisse tout faire. C'est vrai que les cadets, on leur fait passer quand même leurs caprices et tout ça. Ça, j'ai vraiment grandi comme ça aussi. Okay. C'est vrai que j'ai eu ce côté-là où on te choyait, où on te disait, tout le monde pouvait faire ses pilules, c'est là, elle, c'est là, tranquille, et tout ça. Mais bon, en même temps, heureusement, il y a des mamans sur terre, parce que quand même, cadette ou pas, pouc! Donc, cadette ou pas, tic! Cadette ou pas, fais pas ça. Donc, ça a été quand même un juste milieu. Mais c'est vrai que nous aimons bien ce côté-là. Je suis tellement la dernière que... Beaucoup de privilèges. Nadège était comment à l'école? Nadège était comment avec ses amis? À l'école? Oh, si mes anciens collègues m'entendent là, j'étais une dérangeuse. Incroyable. Incroyable, une dérangeuse. Heureusement pour moi, j'étais un peu intelligente. Donc, c'est ça au fait qui faisait quand même, le poids qui faisait la Le poids, mais ce qui est sûr, j'étais dérangeuse. J'aimais bien parler. Je vais raconter des choses pendant que le cours passe. Et je sais même plus c'est dans quelle classe, à quel niveau. Un des professeurs qui disait, ne la suivez pas. Elle vous distrait, elle parle. Mais quand je vais interroger, elle va voir 8 ou 10, ne la suivez pas. Mais c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un qui aimait beaucoup parler, raconter des histoires. C'est ce que je faisais aussi à l'école. Quand un prof de foi était fatigué ou bien c'était un moment où il y avait 20 minutes de libre, on me disait toujours, passe raconter quelque chose. J'étais, je
sais pas, je dois développer ça encore. J'avais comme un don de conteuse. Je pouvais raconter et captiver l'attention de tout le monde en train de raconter une histoire. Alors, je faisais ça aussi à l'école. Et qu'est-ce qui vous passionnait dans votre adolescence, hein? Peut-être 12, 13, 14 Musique, cinéma et lecture. Alors, lecture, c'est vrai que ce n'est pas commun à tous. Cinéma, ça va. On a maman Boké, il y a des films. Non, des films, des films hollywoodiens, des choses comme ça. Et la musique, c'était plutôt quel genre de musique qui a bercé votre jeunesse, on va dire? La musique... Alors, c'est passé à l'époque. La musique, je me souviens, mon père, oh mon Dieu, chaque samedi, c'était ça, en fait, comme samedi, il n'y avait pas école. Alors, quand tu sais, tu te dis, j'ai étudié toute la semaine, dans le samedi, je peux faire une grasse matinée. Alors, 6h30, tu entends, avant même qu'ils ne viennent d'abord dans votre chambre frapper, tu entends le disque là qui passait, c'était Julio. C'est, vous entendez ça ou bien chante? Je ne sais même pas qui a chanté ça, je ne sais plus, mais c'était ouh, soleil, soleil, quelque chose dans le genre. Dès que tu entends soleil, tu dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et dès que tu entends soleil, soleil, après soleil, soleil, et c'est que les filles de cette maison sortent de cette chambre. Et là, tu te dis, bon, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, tu te réveilles. Et c'est plus mon père qui a été un peu... bon, on aime dire que c'est la maman qui suit ça. Mais moi, c'était plus papa. C'était plus papa qui disait, réveillez-vous, il faut faire ceci. Il faut être propre. Sa maison doit toujours être propre. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au toit d'un. Il faut, quand tu arranges le sous-sol, tu regardes là-bas aussi. Et donc, c'était un peu ça. Donc, le samedi, on s'est réveillé. C'était pour travailler. Malgré qu'il y avait des travailleurs à la maison, mais ils venaient samedi pour ne rien faire. Ouais. Alors, notre père nous obligeait à travailler. Comme je disais, il y avait des privilèges, mais ça, ça ne passait pas. Donc, tu devais faire, quelque même part, si j'étais cadette. C'est quelque chose de bien, au final, aujourd'hui et maintenant. Si, c'est quelque chose de bien. Parce, en ce moment-là même, ce n'était pas agréable parce que moi, j'avais besoin quand même de dormir, de me réveiller à 10 heures. Mais ce n'était pas possible. À l'instant, je me disais, mon père est très dur. Il aime toujours qu'on fasse ce qu'il veut. Et, mais avec les reculs et maintenant en tant que mère, femme à la maison, j'ai dit Seigneur merci pour cette discipline-là. Je n'aimais pas ça il y a des années, mais maintenant je bénis Dieu parce que c'est cette discipline qui m'aide dans ma maison, par rapport à moi-même, par rapport au travail que tu fais à la maison, de bien suivre, de faire ceci. Ce n'est pas toujours évident, mais ça m'a beaucoup aidée. Quel était votre rêve de jeune fille? Vous aspirez à faire quel métier quand vous étiez encore adolescente? Vous dites, plus tard, je serai quoi? Plus tard, je serai dans la communication. Ça, c'est moi. C'était moi. Au fait, je suis née dans une famille. Mon père a été journaliste. Il a été, comment on appelle ça? À l'époque, c'était... à l'époque, comment on appelait ça? ASAP. Agence Zaïroise de Presse. Maintenant, je pense que c'est à CEP, quelque chose comme ça. Donc, mon père était dans ça. Il a été, lui, il était comme attaché à Bruxelles avec mes frères et sœurs et tout. Et il était dans ça. Il était journaliste dans la presse écrite. Mon frère qui est décédé en 2011, mon frère Georges Impoté, il était dans la presse écrite aussi. Et ma sœur qui vient tout juste avant moi, elle a fait la communication. Elle n'est pas partie dans le journalisme ou quoi que ce soit. Elle a fait le marketing. Alors, moi, je rêvais de faire ça, d'être dans la communication. En même temps, je me disais, je vais être journaliste. Parce que je faisais ça aussi à l'école. Depuis que j'étais petite, on avait à l'école Massamba, à cette époque-là, on faisait comme chaque jour. Au fait, c'était pour nous obliger à suivre les infos et tout ça. Donc, on était là à l'info de 20h, suivre c'était quoi les nouvelles, écrire et puis venir le matin à l'école. Venir à l'école le matin et puis chacun aura une petite partie pendant, c'était quoi, pendant la récré, c'était après la récré, tout juste avant de rentrer dans les classes, on faisait comme le journal et tout ça, et quelques journalistes passaient dans moi aussi, je faisais partie. Alors ça me passionnait déjà être journaliste, j'aimais beaucoup ça. Et tout le monde se disait, elle va faire les sciences littéraires, parce que je vais lire, je mets toutes ces choses. Et c'était étonnant pour tout le monde, je suis allée aux sciences commerciales, déjà c'était un choc pour tout le monde. Et bon, je me passionnais plus dans le domaine de la communication. Oui. Mais alors justement, quand est-ce que vous vous rendez compte que votre voix est un instrument que les gens apprécient? Parce que vous-même. Depuis que j'étais petite,
Que ce soit à la maison, je chantais, tout le monde trouvait agréable, mais bon, c'était pas tout le monde qui aimait que je chante à tout moment. C'était aussi, tu déranges, on a besoin de rester calme. Moi, je suis dans une famille de personnes qui aiment beaucoup lire. La lecture, c'était comme ça. On pouvait arriver chez nous, chacun dans son coin, pose ses jambes quelque part, chacun était dans son livre. C'est comme ça qu'on a, on a grandi. Alors, je ne me souviens pas d'un jour où je ne chantais pas. Depuis que j'étais petite, je chantais. Les gens trouvaient ça agréable. Que ce soit dans les fêtes de famille, ils aimaient bien que je chante, ils aimaient bien que je danse. Alors, pour moi, ce n'était que je chantais bien. Oui. Ça n'allait pas plus loin que ça. Je chantais bien. Encore moins une carrière, quoi. Même pas. Je ne pensais pas, comme je vous dis, moi, mon rêve, c'était être journaliste. Et dans la communication, ce n'était pas la musique. Je chantais bien, les gens appréciaient, me le disaient. Mais ce n'était pas... C'était juste comme ça. Mais alors, comment vous allez vous retrouver? Peut-être la grande question. Ça commençait un peu plus loin. Au fait, lorsque... Oui, lorsque je suis arrivée, j'ai eu mon diplôme par la grâce de Dieu à 18 ans. Et j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'allais faire. C'est vrai que pour moi, c'était tracé. C'était... la communication, c'était tout ça. Mais bon, je sais que c'est Dieu, c'était le langage du Seigneur. Je commençais comme à avoir des doutes dans mon cœur. Et je me disais, qu'est-ce qui se passait? Alors, je commençais à prier parce que déjà, je commençais à servir le Seigneur déjà. Alors, je commençais à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus à l'aise pour la communication. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, j'imaginais dans tous les domaines sauf... sauf la musique. Alors, une fois, j'étais dans un groupe de jeunes, SOS Jeunesse, on évangélisait et tout ça, et on avait un groupe de musique. Alors, lorsqu'on a, on a organisé une action évangélique, on avait invité, notre responsable connaissait un prophète qui devait être là, apporter la parole, amener les âmes à Christ et tout ça. Et quand on a fini de chanter, il était en train de prêcher et prêcher. Et puis après, il s'est retourné, parce que nous, on était de la chorale, on était un peu derrière. Il s'est retourné, il a dit, la sœur, vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Ok, je passe devant. Et puis, il me dit, vous êtes à un moment tournant de votre vie. Alors, le Seigneur m'a demandé vraiment de vous parler clairement. Sachez qu'il vous a appelé dans le domaine de la musique et dans le domaine de la parole. C'est vraiment ça et tout ça. Et puis moi, dans mon cœur, je dis, ok, qu'il parle, qu'il termine. Et puis il dit, je vois que vous êtes vraiment quelqu'un de fort caractère et tout ça. Vous hésitez, pas seulement vous hésitez, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Alors le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, nous étions un dimanche, il m'a dit, ainsi parle le Seigneur, la semaine commence. Alors, jusque jeudi, il me dit, de la semaine prochaine, jusque jeudi, Dieu va vous inspirer, il va vous donner un chant. Ça sera pour vous une preuve. Un signe qui vous a appelé. J'ai dit, ok, j'aimerais bien voir ça. Bon, je ne disais pas comme ça. Dans mon cœur, je dis, bon, j'aimerais bien voir. Parce que j'avais quand même mes projets. C'est pas parce qu'on vient me dire que c'est Dieu, je vais aller directement me jeter. Si je doute, alors, la semaine a commencé. Je me souviendrai toujours, c'était, je pense, un mercredi. Il faisait très chaud ces jours-là. Je suis allée dormir vers midi. Et c'était d'abord inhabituel. Ma mère m'a même posé la question. Tu ne te sens pas bien, tu es malade, tu ne dors pas d'habitude. Mais je dis, je me sens fatiguée. Je suis allée dormir. Et lorsque je me suis réveillée en train de chanter. J'étais en train de chanter. Je chantais, ça continue. Je dis, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dormi avec ma Bible incarnée à côté, j'ai pris directement le stylo. Je commençais à noter les paroles. J'ai noté quand même les paroles. Puis j'ai dit, mais comment garder cette mélodie? Je ne savais pas jouer d'un instrument. Comment je vais faire? Ah, je me suis souvenue du frère, j'oublierai pas, du frère Erwin Zambé à cette époque-là. Nous étions tous ensemble dans ce ministère de jeunes dont je vous ai parlé. Alors, je suis allée jusque chez eux, là-bas, dans sa famille. C'était vers le camp riche. J'ai dit, s'il te plaît, comme toi, tu sais jouer d'un instrument, j'aimerais te donner une mélodie. C'est un chant que le Seigneur m'a donné. Et puis... Et en ce moment-là, je ne pensais même pas à la prophétie du prophète en question. Je lui ai donné, il a dit, oh, j'essaie d'écrire quand même pour qu'on garde la mélodie, et puis il a joué. Et puis lui-même me dit, oh, c'est pas ce que le prophète l'a dit dimanche. Moi, j'ai dit, hey, papa, arrête, ça, c'est pas ça, c'est un chant. Et puis il a noté tout ça. Alors, j'ai passé quand même du temps à fuir la volonté du Seigneur.
Je me souviendrai toujours, le prophète m'avait dit en question, il a dit, Dieu connaît votre caractère, il sait que vous êtes quand même, quand vous voulez quelque chose, c'est quand vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Alors, Dieu m'a dit que vous allez résister. Mais il m'a dit quelque chose, tout ce que vous ferez, tant que vous ne direz pas oui à Dieu par rapport à cette voie, tout échouera. Bon, à ce moment-là, moi, j'ai dit, j'aimerais bien voir ça, à quoi il parlait le dimanche. Alors, tout ce que j'entamais, peu importe les démarches, tout ce que je faisais, ça se terminait comme ça, ça ne réussissait pas. Et pourtant, j'avais complètement oublié, si je dois revenir à la Genèse, lorsque je suis née, après quelques mois, ma mère m'a présentée à l'église, comme le fait avec les enfants et tout ça. Alors, le jour, elle me faisait, en tout cas, pour me rappeler, je pouvais pas, je ne sais pas pourquoi, en ce moment-là, j'avais oublié, parce qu'elle me rappelait presque tous les jours, elle m'a emmenée pour être présentée à l'église. Il y avait plusieurs bébés. Alors, le pasteur là prenait chaque bébé. Il priait personnellement pour chaque bébé. Alors, lorsque nous sommes arrivés à mon tour, lorsqu'il a commencé à prier pour moi, il y a eu des prophéties dans la salle, dans l'église. On a commencé à prophétiser. Cet enfant, elle a été mise à part. Elle n'est pas comme tout. On s'adressait à ma mère. Elle n'est pas comme tous tes enfants. Elle a été mise à part depuis votre sein pour servir l'Éternel. Donc, l'Éternel a placé vraiment. Sa vie, ça sera cela. Elle servira le Seigneur toute sa vie. Dieu l'emmènera partout dans le monde. On a dit des choses. Et ma mère, comme on dit bien, les mamans aiment bien garder. Ma mère a vraiment joué ce rôle-là. Elle a gardé cela. Et elle me le rappelait, même dans les mauvais moments. C'était, qui peut faire telle chose? Quand je dis, je ne fais pas. Eh, maman. Oh, ça commence à me dire, oh, tout le monde peut dire non, c'est comme Kaminga, si c'est moi, c'est toujours Moussa Lanzambe, mais non, je ne peux pas dire non, c'est parce que je suis seulement servante de Dieu. Alors, elle me rappelait cela chaque jour. À chaque fois que je voulais faire quelque chose qui n'était pas bien, elle me rappelait, elle était toujours pour me dire, une servante de Dieu, toi tu es une servante de Dieu. Dieu l'a dit, tu ne peux pas faire ceci. Tu peux faire des choses comme tout le monde. Elle veillait. En tout cas, pour veiller, elle a veillé sur ça. Même si devant elle, j'étais un peu... J'ai montré des signes d'agacement, mais ça restait en moi. Ça commençait à me dicter, à dicter toute ma conduite. Même lorsque je n'étais pas contente qu'on me rappelle. Alors, que ce soit à l'école, même quand je disais que je dérangeais en classe, mais il y avait toujours des, il y avait des limites à ne jamais franchir pour moi. Parce que c'était comme si c'était imprégné en moi. Et je savais que telle chose, je ne pourrais jamais le faire. Telle chose, ça me rappelait, tu es servante de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment une grâce de connaître le Seigneur. Dieu m'avait fait grâce à l'âge de 12 ans. J'ai donné ma vie à Christ. Alors ça, c'est pas que lorsque j'ai reçu Christ que tout était devenu beau. J'étais la parfaite servante de Dieu. J'étais vraiment aussi dans un âge, j'étais pré-ado. Alors, ce n'était pas facile, hein, aller à l'école en s'affichant, en étant enfant de Dieu, comment ça se passait en classe, toutes les moqueries, les blagues et tout ça sur vous. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça a forgé au fait ce que j'ai été. Et puis, j'ai été bien entourée. C'est ça vraiment qui m'a beaucoup aidé. J'ai été bien entourée, avoir des jeunes autour de vous qui sont comme vous. Ça aide beaucoup parce que lorsqu'on est tellement seul, c'est quand même un peu difficile. Isolé, mais oui. L'éternel. Adorons l'Éternel, c'est après. Alors, lorsque j'ai dit, finalement, j'ai dit, quand tout commençait à échouer, s'écrouler autour de moi, j'ai dit, Seigneur, je suis revenue au pied du Seigneur en pleurant. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas résister, on ne peut pas te résister, on ne peut pas te défier. Tu me connais, lorsque tu m'as créé, tu savais de quoi tu m'as formé. Donc, alors, j'accepte. Je refuse de me battre et de fuir loin de toi. Alors, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'église. À cette époque-là, j'étais à la Compassion chez le pasteur Marcelo. J'ai chanté à la chorale, je conduisais les cultes. Et dans le groupe, je reviens encore, dans le groupe SOS Jeunesse, lorsque nous étions là-bas, il y avait aussi le frère Francine Singh. Alors, lorsqu'il est allé dans Gaël et tout ça, nous étions restés, le groupe Adorant l'Éternel et tout ça. Alors, il y a eu un besoin, un moment, dans le groupe Adorant l'Éternel, on cherchait une sœur qui fasse le soprano et tout ça. Donc, papa Alain leur avait demandé de trouver une sœur. Il est venu me voir, il m'a dit non, papa nous a dit de trouver une sœur qui a un bon témoignage, qui craint Dieu, qui chante bien. Alors, j'ai pensé directement à toi. Moi, je dis, ah bon? Il a dit oui. Alors, je lui ai dit carrément, parce que j'étais dans cette période-là, au fait, je venais de dire oui à Dieu par rapport à l'appel. Alors, je lui ai dit, c'est moi, j'ai dit, Francis, tu m'as trouvé dans une période un peu difficile, une période où
En tout cas, je ne prends plus de décision sans rentrer au pied du Seigneur. Alors, il m'a dit, prends tout ton temps. Dès que tu te sentiras prête, que ce soit oui, que ce soit non, dis-le-moi et tout ça. Alors, j'ai pris mon temps. Bon, je n'ai pas pris mon temps parce que je le voulais. J'ai quand même prié. Je disais, Seigneur, j'aimerais être sûr. J'ai passé plusieurs années comme ça à tourner, à fuir. Et là, je ne veux plus perdre du temps. Alors, Seigneur, dis-le-moi, si tu veux que j'aide en adorant l'Éternel, je ne vais pas aller dans un groupe parce que c'est connu, parce que tout le monde en parle, mais est-ce que c'est ta volonté? Tu me vois là-bas ou pas? Alors, j'ai passé un moment de prière, je l'ai dit aussi à mon pasteur à l'époque, il s'est mis à prier par rapport à cela, il m'a appelé, il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est là-bas que tu dois aller, Dieu m'a dit, c'est vraiment, ça sera une très grande école pour toi, et tout ça. Lorsqu'il m'a dit, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Seigneur, merci, mais j'aimerais que tu me parles à moi-même aussi. Alors, j'ai continué de prier. Et c'était clair, hein? Donc j'avais même pas besoin qu'on interprète pour moi. J'ai eu de songes qui se sont suivis où Dieu me disait faut aller. Dieu me disait que ça serait une école pour moi et je serais une bénédiction pour le groupe. Alors j'ai appelé finalement le frère Francis. Je lui ai dit c'est bon, tout ça. Oh, c'est ok. Moi j'ai dit ok. Il a dit ok, tu peux venir parce qu'on est tous en retraite. C'était chez papa Alain à Jamaïque. Il m'a dit ça serait bien, tout le monde est là, que tu viennes aussi pour le voir. Alors, j'arrive ce jour-là et il était quand même désolé. Il m'a dit, je ne sais pas, papa là, il devait être là, il est sorti, je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. J'ai dit, bon, comme c'est quand même loin, c'est quand même loin que je me repose un peu et puis je vais rentrer chez moi. Et à un moment, on entend le klaxon et Francis sort et puis j'entends seulement, papa là, non, papa là, mais bien, il ne me connaissait pas. Et puis j'entends seulement, quoi? Elle est là? Oh non, je suis curieux. En tout cas, j'aimerais la voir. Comment elle s'appelle? Moi, j'entendais toute la conversation. Elle a dit, elle s'appelle Nadège. Nadège, tu peux sortir? Hyper cool, le gars. Hyper cool. J'ai dit, oh, c'est lui le papa là que je vois à la télé. Il est très cool comme ça. Je sors et puis il me dit, ce n'est que toi, Nadège, là. Moi, j'ai dit, oui, c'est moi. Elle m'a dit, ah, tu nous as fait attendre longtemps. Et tout ça, moi j'ai dit, bon, je suis désolée, moi je voulais être sûre que je dois être là. Elle a dit, ok, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Et là, je lui ai dit, Dieu m'a dit de venir ici, je dois apprendre à vos pieds, ça sera une école pour moi, adorant l'Éternel, et je serai une bénédiction pour ce groupe. Je lui ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ok. Il m'étend la main, il me dit, bienvenue dans le groupe adorant l'Éternel. Mais non, moi je me disais, il ne connaît pas ma voix, il ne sait pas si je chante faux. Comment il peut me dire? Il m'a dit, bienvenue dans le groupe Adorant l'Éternel. Moi je repars. Et puis il appelle maman Christine, appelle sa femme, dit, Christine, c'est Nadège, hein? Elle fait partie du groupe maintenant. Et puis il est parti, il est ressorti, il est parti. Et puis maman Christine qui disait, bienvenue dans le groupe. Je dis, mais c'est quel genre de couple là? Ils sont bizarres, l'homme et la femme et tout ça. Il m'a dit, bienvenue dans le groupe. Elle me disait, ça va, tu vas bien, tu vis où, tu as quel. Je me disais, ok, ils ne savent même pas si je chante bien ou pas. Alors, c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Adorons l'Éternel. Sur ces belles images, regardez avec nous tout ce que l'artiste est capable de faire. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Amen. Amen. Souvent, certaines personnes voient beaucoup plus de choses en nous que nous-mêmes. Joseph, il a vu tous ses rêves. Ce rêve voulait dire qu'il allait régner, ça c'est vrai. Ils avaient bien interprété ses frères. Et puis ses frères le vendent, il part. Il est parti en Égypte comme esclave. Je voulais seulement me mettre à la place de Joseph. Pour se dire, est-ce que ces rêves venaient vraiment de Dieu? Si je suis esclave aujourd'hui. Dans mon parcours, pasteur Nadège, ça ne fait pas bizarre quand vous appelez pasteur, vous étiez chante, des fois vous appelez sœur Nadège, oui, ça fait toutes bizarre. Ces appellations. Sœur Nadège, maman Nadège, Nadège. Pasteur, tout est quand même un peu bizarre à un moment. Mais bon. On s'habitue. On s'habitue. À l'aise, vous êtes, j'espère. On vous a mis à l'aise, j'espère.
Très à l'aise, ça va, je suis bien, ça va. Alors du coup, vous intégrez donc le groupe Adorons l'Éternel, un groupe légendaire que toute l'Afrique, le monde entier regarde par rapport aux compositions d'Alain Moloto qui est plus qu'un maestro. Au final, vous avez grandi à ses côtés, on va dire au milieu du moins. Qu'est-ce que vous avez appris si vous devez peut-être prendre une chose que vous avez gardée de lui jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce qu'il a pu vous apprendre? Waouh. À être... comment dire ça? Il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, que ce soit sur le plan spirituel, comment être, être chanteur, chanteuse, mais en étant sérieux avec la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, il était vraiment très strict par rapport à cela. Et parce qu'il disait, tu ne peux pas chanter la fausse doctrine, tu dois connaître très bien la parole pour chanter ce qui est vrai. Et alors, il faut étudier la parole, il faut lire la parole et tout ça. Mais en même temps, c'était, ça n'avait rien de spirituel. C'était le côté humain. Le côté humain, c'était, papa, là, c'était quelqu'un... Bon, les gens étaient habitués de voir l'Alain Moloto qui conduisait des moments de prière et tout. C'était vraiment quelqu'un dont, derrière la caméra, c'était quelqu'un vraiment de très cool et accessible. D'accord. Au fait, c'est ça. Accessible dans le sens où être serviteur de Dieu, être adorateur de l'Éternel ne l'empêchait pas de blaguer avec lui, de faire des blagues, de rire avec les gens. D'être une personne normale. Une personne normale, au fait. S'il a envie de faire telle chose, il le fait, il achète. Au fait, c'était ça. C'était d'accord, ça, vraiment, cette chose-là qui m'a beaucoup touchée. Alors, je suis étonnée. Au fait, il y a des choses de fois, vous êtes impacté par quelque chose sans vous en rendre compte. Et lorsque les gens vous le renvoient, vous dites, ah bon, je ne savais pas que j'avais tellement copié ça. Parce que quand les gens me disent toujours, ton mari et toi, vous êtes accessible, vous faites pas trop des chichis, vous êtes humain, même quand on vous rencontre, c'est pas... Au fait, on se demande, c'est la même personne qui passe à la télé. Vous êtes humain, vous parlez avec les gens, s'il faut rire, vous riez. Alors, ça me rappelle que je dis, oh, ah bon, je ne savais pas que cet aspect-là de papa Alain m'avait tellement impacté que j'ai voulu commencer à reproduire cela. Alors, c'est vraiment cette chose qui m'a beaucoup impacté déjà dès le premier jour, je vous l'ai dit. Donc, l'Alain Moloto qui conduisait les cultes, c'était différent. Vous trouvez un humain qui parlait, qui riait, et c'est ça vraiment qui m'a beaucoup impacté. Alors, qu'est-ce qui n'est pas facile quand on est une femme d'être artiste? Que ce soit au final chrétien ou pas, vous êtes avant tout une artiste. Qu'est-ce qui n'est parfois pas facile quand vous regardez dans le rétroviseur? En tout cas, s'il faut voir que ce soit du côté chrétien, c'est vraiment artiste féminine. Quand vous êtes féminine, artiste féminine, c'est... vous trouvez des gens qui attachent la légèreté avec l'artiste féminine. Donc, ils se disent automatiquement, quand vous êtes artiste c'est que forcément, et femme, c'est qu'il y a une légèreté et tout ça. Parce que des gens qui vous font des propositions... Parce que j'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. Très jeune. Célibataire et tout ça. Il y avait des sortes de propositions que d'autres personnes faisaient. Vous risquez à poser la question à cette personne. Vous m'avez connu. Vous chantez... je chante pour Dieu, mais la proposition que vous faites, vous trouvez pas que ça... Est-ce que vous ne savez pas que ça va même pas dans ce que je dis, quoi? Oh non, vous êtes après tout, vous êtes une femme. Alors, c'est ça qui me choquait le plus. Donc, quand vous êtes artiste et féminine, les gens pensent que c'est attaché à une légèreté. D'accord. Et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et moi, bon, j'hésitais pas à être radical avec les gens. Parce que je voulais montrer aux gens, c'est pas parce que je suis artiste que je dois être légère. Je suis artiste, c'est mon métier. C'est pas une occasion de légèreté et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui... Ce côté-là qui est un peu plus... Vraiment qui m'a dérangée. Mais alors, du coup, justement, dans ce groupe-là, cette chanson Shiloh, qui a traversé les nations, qui a été interprétée par vous, au final, je pense que c'est là que vraiment le grand public découvre cette voix, ce talent brut. Est-ce que rien que pour le plaisir des personnes qui nous regardent, on pourrait juste un peu vous écouter? En a cappella comme ça, pas d'instrument, rien, juste la voix. S'il faut que je dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh, je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon
esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Qu'est-ce que vous transmettez? Ça veut dire que c'est plus que ça donne encore de la chair de poule des années, en fait, bien des décennies après. Selon vous, qu'est-ce que vous transmettez, Nadège? Ah, je ne sais pas toujours savoir ce que je transmets, mais je sais que les seigneurs, lorsqu'ils nous choisissent, nous aimons bien le dire, nous sommes des instruments que le Seigneur, donc le Seigneur utilise pour faire ceci. Et c'est vraiment cela, un vase. Nous sommes vraiment un vase que le Seigneur utilise pour toucher les hommes, pour s'approcher des hommes. Vous savez, Dieu, il ne va pas se mettre à marcher dans la rue pour dire « Je suis Dieu, me voilà, je suis Dieu ». Il ne passera que par nous, par les humains. Mmh. Alors, lorsque vous êtes conscient que vous êtes un vase, que vous êtes un instrument dont le Seigneur se sert, vous devez commencer à faire attention à vous parce que c'est par vous que le Seigneur peut passer pour guérir les gens, pour toucher les cœurs, ramener les gens à Christ, ramener les gens à lui. Alors, c'est faire attention. Il n'y avait pas de concurrence à cette époque. Enfin, je pense que si, parce qu'au final, vous êtes chanteur, comme vous l'avez dit, artiste chrétien, mais malgré tout, on reste humain. C'est-à-dire qu'on vous donne à vous cette chanson que vous venez d'arriver, alors qu'il y en a qui sont peut-être là depuis, je ne sais pas, des années, qui au final, eux, ne l'interprètent pas. Donc, il n'y a pas eu des fois, même au long de votre carrière, où vous sentez que peut-être Nassa Moté Mazoïma. Non, sincèrement, c'est une question qu'on m'a posée dans un des ateliers que j'ai fait. Je n'ai pas senti ça à cette époque-là parce que j'étais plus entourée d'hommes. D'accord. C'était plus toi qu'on choyait parce que c'était une fille parmi tant d'hommes. Papa là, vous êtes toujours choyée. Papa là, tu disais... une petite bout de... Ce qui est une petite femme. Il disait, une petite femme comme ça, hein? Et tout ça. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'étais comme un peu choyée. J'étais un peu gâtée parce que j'étais, à cette époque-là, je pense que la sœur Mireille n'était plus là, la sœur Lydie n'était plus là. J'étais la seule fille à cette époque-là. Alors, je n'ai pas senti ça. Il m'a parlé, je me souviendrai toujours, papa là, m'a vu un jour, il m'a dit, je pense que nous étions allés, je pense... c'est plus 20e anniversaire ou 25e anniversaire de carrière de papa Denis Ngonde. C'était au stade des martyrs à cette époque. Il m'a vu à un moment-là, il m'a dit, tiens, il avait enregistré, il m'a dit, tiens ça. Puis je dis, oui, c'est quoi papa là? Il me dit, c'est un chant. J'ai reçu cela de la part du Seigneur, je l'ai fait donner moi-même à la guitare, mais je sens dans mon cœur et dans mon esprit... C'est toi qui devrais l'interpréter. J'ai dit non, 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 papa, là, je pense pas. Il a dit, si, si, Dieu ne ment pas. Alors, prends, ah bon, et faites pour me calmer un peu en ce moment. Il m'a dit, fais ce que tu penses, quelque chose comme ça. Laisse-toi aller. Et puis, on verra après. Alors, j'avais pris ça, je suis allée, j'ai réécouté. Lui-même, il chantait ça. Au fait, moi, personnellement, je me disais, c'était un peu plus mélancolique lorsque lui-même chantait cela. Parce que c'était très bien, c'est comme de la country. Lorsqu'il chantait ça à la guitare, il chantait « Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crayons-moi un cœur nouveau, je t'en prie. S'il faut que je dise un mot au-delà de tous mes mots. » C'était un peu ça. Alors, c'était très mélancolique. Et alors, une fois, là, j'avais déjà commencé mes cours à l'Institut National des Arts, à l'INA. Alors, j'étais allée étudier ce jour-là. C'était un jour férié. Je me disais, bon, c'est quand même un jour un peu calme pour que j'étudie calmement. J'étais en train de préparer ma session. Et dans cette salle-là, j'étais seule. J'étais en train d'étudier. Puis, moi, j'ai dit, oh, en fait, tiens, j'ai un chant là à travailler. Et puis, je sors. Je sors le chant, je commence à réécouter. Et puis, j'ai dit, je vais enregistrer quelque chose. Comme je le sens, il m'a dit, comme je le sentais. Donc, je suis libre de le faire comme je le sentais. Alors, j'ai commencé à chanter ça. Et puis, j'ai mis stop. Alors, là, on devait aller à une prestation qu'on a fini. Tous, nous sommes dirigés à Gungu, dans la maison, dans la famille. Disons la belle famille de papa Lynché, maman Christine, dans sa famille. Alors, nous étions là. Et puis, il me dit... tu as fait quelque chose? Je dis oui, je fais quelque chose comme ça en passant. J'avais tellement peur. Je lui ai donné. Il est allé au salon. Et puis je vois, on était là avec les gars. Il ressort. Il me dit, viens. Il me serre dans ses bras. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il était conquis.
Oh, il me serre dans ses bras. Et maman Christine vient. Elle me serre dans ses bras. Je dis, ok, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et puis, les autres Gaëlles voulaient savoir. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Dieu ne ment pas. Dieu m'avait dit, cette fille, elle est spéciale. Non, ce chant m'a transpercé. Oh, tout le monde se dit, personne ne savait qu'il m'avait donné un chant à travailler. Et tout le monde était curieux. Ah bon? Tu lui avais donné un chant à travailler? Elle ne nous a rien dit et tout ça. Et puis, il a dit, vous allez écouter. Et puis, il met le chant. Le chant commençait à jouer. Et tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Ils ont dit, c'est différent. C'est différent de style de Gaëlle. C'est différent et tout. Alors, un vent nouveau. On a commencé les répétitions et le prof Robert, c'est lui le saxophoniste de Gaëlle, il a eu cette idée, il a eu cette intro de Chilo que tout le monde aime. Da, 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 da. Mais bon, il a dit non, mais je pense que je l'ai eu, mais ça serait bien que Serge le fasse avec le violon. Mm. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Tout le monde était emballé, on a répété. On vous avait prédit à l'époque qu'il y aura plusieurs bénédictions dans la Dorande éternelle. Et au final, vous vous retrouvez marié avec le pasteur Atoms, qui est lui-même de Adorons l'Éternel. Donc, l'une des bonnes bénédictions, on va dire que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Oui. En tant que femme, est-ce que vous pensez qu'avoir été mariée avec un collègue a été une protection dans la continuité de la carrière? Protection, je ne sais pas. Suite peut-être au dérangement de l'époque, ou quand vous étiez célibataire, ou bien... Vous savez, la bague. Mmh. La bague ne veut rien dire pour d'autres personnes. Vous savez, ce n'est pas une protection en soi. C'est à vous de vous faire respecter. C'est à vous. La vie est faite de choix. Peu importe la bague. Si vous décidez de marcher comme Dieu le veut, vous le ferez. Si vous décidez de ne pas marcher comme Dieu le veut, la bague, porter la bague, ça ne veut pas dire. C'est vrai que c'est un engagement. C'est pour dire à tout le monde, je suis engagée, je suis avec quelqu'un. Alors... En tout cas, aller à Adorons l'Éternel, imaginer que je devais rencontrer mon mari là-bas, ça m'a jamais traversé. En tout cas, cette partie, Dieu l'avait gardée. C'est vrai? Il ne l'avait pas dit, même pas. Donc, mais je me souviendrai toujours, il y a eu une scène qui s'est passée. Ce premier jour, ce fameux jour où je suis allée pour rencontrer papa Alain. J'étais là au salon, ils étaient en retraite à l'époque, ils étaient tous là. Donc j'étais assise, j'étais là. Il y avait le frère John, à l'époque, qui était dans Gaël, il était là. Il y avait le frère Francis, nous étions à trois au salon, je n'oublierai jamais. Et puis, la porte s'ouvre. Le frère Atoms, il entre. Parce que quand il ouvrait, il devait me voir directement, j'étais en face de la porte. Il ouvre la porte, il fait « Hey !» Il ferme la porte, il répare. Diamoline Doki. J'ai demandé au frère Francis, « C'est quoi ça ?» Il a dit. Bizarre. Je ne sais pas si Dieu lui a montré quelque chose. Il est comme ça. Donc, sincèrement, je pense que Dieu lui a montré quelque chose. Je dis, en tout cas, il est bizarre. Puis c'est passé. Et après des années, en étant mariée, après les années, en fait, je lui ai posé la question. Non, j'ai posé la question quand même. Je lui ai dit, mon cher, c'était quoi ça? Il a dit, au fait, bon, il a raconté ça aux autres pendant la prière le soir. Quand papa, là, il m'a raconté, quand papa là, leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de la sœur Nadège qui était là? Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a parlé. Il a même dit, je pense que cette sœur-là, peut-être, est partie avec une mauvaise image de moi. Il a raconté, il a dit, au fait, j'ai sursauté parce que cette nuit même, j'avais vu une fille habillée comme elle. Parce que j'étais en pantalon jeans, avec un débardeur et une jaquette jeans au-dessus. J'avais des tissages qui descendaient comme ça, de deux couleurs, noir et marron, je pense. Alors, pendant la nuit, parce qu'ils étaient en retraite, il m'a vu et puis Dieu lui disait, c'est cette fille que j'envoie dans ce groupe. Alors, quand il a ouvert la porte, il m'a vu tel que j'étais dans son rêve et tout ça. Il ne pouvait pas se retenir. Il a crié, puis il est parti. On s'attendait à ce que peut-être c'était là qu'il avait vu, qu'il avait senti quelque chose. En tout cas, il ne m'a pas dit ça. Une question que tout le monde se pose, là, c'est entre nous, vraiment. Est-ce que la drague du frère, c'est différent des gens lambda? La drague, je ne sais pas vraiment si il a dragué, ça prend un jour. Mais il est très intelligent, le monsieur. On a été amis avant. On s'entendait très bien avec lui.
Au fait, bon, moi, je suis toujours, je me disais toujours, ça, c'est ma prière, je me disais toujours. Au fait, j'ai grandi avec des grands frères, avec un écart. Alors, mes frères, ce sont des personnes un peu branchées, culture générale, toujours en train d'avoir des livres, un peu, en tout cas, dans les conversations, ils sont vraiment des personnes éloquentes et tout ça. Alors, j'étais habituée à avoir des conversations, déjà deux petites. J'étais habituée avec mes frères à avoir des conversations, à voir hein, que tu parles avec quelqu'un, il a qu'une suite d'idées, que ce soit logique et tout. Alors, avec lui, on était amis et puis j'aimais bien converser avec lui. J'ai trouvé qu'il était très intelligent et on a commencé à être amis. Peut-être que là, ça a commencé c'était là, moi je ne savais pas. On dit souvent, ça c'était passe par sa là. Stratégie parce qu'on s'entendait très bien, on était amis, on discutait de tout et de rien. Alors, le jour où il s'est décidé à me parler, en tout cas, il m'a parlé. Au fait, il avait... Qu'est-ce que je lui disais ça il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, au fait, toi, tu avais déjà des... Comment on aime dire ça? Tu avais comme des fuites. Parce qu'en étant amis, je parlais. Parce que je le trouvais ami. Donc, je ne peux pas me mettre, me dire que c'est lui ou quoi. Donc, j'étais moi. Je racontais ce que je voulais. Je disais tout. Oh, ce que je n'aime pas. Je disais, les frères qui viendront vers moi, avec eux, je t'ai vu en songe. Oh, je t'ai vu, tu chantais, oh, et puis je vais les chasser. Mais non, tout le monde me posait la question, pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi pas? Je suis une femme, j'aimerais bien que quelqu'un, un homme vienne me dire que je t'aime, j'ai aimé ceci, quand je t'ai vu, et pas seulement la vision. Songe, alors, moi, je lui dis, toi, tu avais déjà des fuites, donc tu savais que vision, il ça ne marcherait pas avec moi. Alors, le jour où il m'a parlé sans me dire... Vision et Dieu, il m'a parlé. C'est sans doute ça qui a... Et il m'a parlé, c'est déjà quelqu'un, il est très éloquent celui-là. Il savait déjà qui j'étais là où j'étais. En fait, il me connaissait, on était amis, il me connaissait comment j'étais. Devenir pasteur, pour vous, c'était un choix ou un destin? Si c'était le choix, j'allais dire non. C'est pas un choix parce que, comme je disais, j'ai passé plusieurs années, c'est vrai que j'ai condensé, j'ai passé plusieurs années à fuir l'appel de Dieu parce que dès le départ, Dieu me disait... ministère de la musique et le ministère de la parole. C'était ça je le connaissais depuis le début. Alors finalement c'est arrivé, j'ai tant fui mais finalement c'est arrivé. C'est arrivé. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'aimerais Pasteur Nadège que vous puissiez répondre à cette question. Il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs suite au ministère de la femme, une femme qui prêche devant les hommes. Enfin, plein de gens se posent encore des questions à se dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, la Bible l'interdit, la Bible l'interdit pas. Si vous pourriez nous donner une réponse juste courte, mais précise et nette, au moins qui pourrait aider ceux qui sont encore dans le doute. Non, la réponse courte, vous savez, quand quelqu'un a déjà sa façon de voir, vous ne pouvez pas la convaincre et tout ça. Mais on alors, est amené à changer. Non, il y a des gens qui, lui, il te dit, il lit des versets qu'il interprète comme il le veut. Que la femme n'est pas appelée, c'est ça son interprétation. Alors, si je lui dis que ce n'est pas ça, vous voyez qu'on va aller, on va aller, on va aller. On va débattre, débattre. Alors, moi, je sais que je sers Dieu. Et c'est un appel. Le Seigneur me l'a dit. Il a confirmé chez d'autres personnes depuis l'enfance. Alors, si quelqu'un dit que ce n'est pas ça, il est libre de penser ce qu'il veut. Comment distinguer le faux du vrai, le bon chrétien du mauvais chrétien? Ouf! La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. En même temps, il y a des gens aussi qui sont spécialistes à faire ce que tout le monde attend de lui, hein, dans l'apparence, à montrer ceci. Mais s'il faut seulement suivre par l'apparence, il y a des gens qu'on pourra, comme on dit, on peut te prêter les bons dieux, quoi. On pourra dire sans que tel est chrétien, c'est bon parce que et c'est une personne qui n'élève pas la voix. C'est quelqu'un qui fait ceci. Ça n'a rien à voir. Les témoignages, moi j'aime plus le témoignage de l'esprit. J'aime plus c'était moi je suis de ces personnes, vous pouvez venir me raconter, vous savez, une grille, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Ok, merci. Je dois voir ça moi-même, d'Ingrid. C'est comme ça que je suis. D'accord. Je ne vais pas changer d'attitude vers Ingrid parce que quelqu'un est venu me raconter telle ou telle autre chose. Alors, moi-même, je dois faire l'expérience de connaître Ingrid. Et je la connais. Je peux émettre un avis. Tant que je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas dire que c'est ça. Parce que dans le métier que je fais, on raconte n'importe quoi. Ma mère, elle a été même étonnée une fois. Quelqu'un lui expliquait qui j'étais.
elle était tellement choquée qu'elle savait même pas dire à cette personne que c'était elle, ma mère. Mmh. Elle savait pas dire que c'est ma fille. Quand elle est rentrée à la maison, la seule chose qu'elle m'a dite, je ne croirai plus jamais à tout ce que j'entends. Mmh. Parce que quelqu'un vient de m'expliquer qui tu étais. J'étais tellement choquée que je ne sais même pas lui dire. Mmh. Donc, la manière dont la personne parlait, tu te disais, si elle connaît très bien mon enfant... Elle ne pourrait pas dire ça. Non, elle aurait pu savoir que j'étais sa mère. Mère, ouais. Au fait, elle était tellement choquée de tous les mensonges que la personne sortait de sa bouche. Alors, ma mère, à partir de ça, elle disait, je ne pourrais plus croire. Oh, les personnes connues, quand j'entends une histoire sur elles, je ne crois plus. Parce que les gens ne font que raconter ce qu'ils veulent. Pourriez-vous, avant que je pose cette question, nous fredonner Alpha Omega? Ok. Mm-hmm. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Mm-hmm. Alpha Omega, tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes, j'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier, il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Voilà. Excellentissime. Vous avez un album, un premier album du coup qui est en solo, enfin avec votre mari, Le Culte, qui était un réel succès avec des titres à ne plus en finir, comme ce qui était, enfin il y avait toute une multitude, des chansons formidables. Vous revenez, c'est bien, bien des années après, avec cet album que nous consommons d'ailleurs dans les bacs, qui s'appelle Psaume, avec une chanson qui fait pleurer plus d'un, Bakosal et Lokoté. J'aimerais revenir sur l'histoire même de cette chanson qui au final est un songe, mais avant qu'elle soit un songe donné au pasteur Atoms, le pasteur Dalo a eu à faire une prière sur vous. Comme vous l'avez déjà dit, vous ne compreniez pas, vous avez juste dit Amen, il a vu des choses. Sauf que vous-même, vous ne savez pas que c'était quelque chose qui allait arriver. Deuxième effet, votre mari donc compose une chanson qui au final sait que ça doit être chanté par vous, mais ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées, et d'ailleurs des choses tellement tristes qu'au final, lui-même prend un peu panique. Vous êtes une femme, le poste qui va le mettre le jour de votre anniversaire va révéler au monde entier que non, il y a un problème, c'est notre star, c'est celle qu'on aime, c'est cette femme-là qui chante tellement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vie de Nadège? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tellement. Certains ont d'ailleurs passé des temps et des émissions à faire sans vous d'ailleurs pour se parler d'empoisonnement, pour parler de, plein de choses. Qui n'ont pas parlé effectivement avec moi également, qui ont interprété. Comme exactement. J'aime dire, chacun interprète comme il veut. Vous nous l'avez dit d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée au moment où je dois vraiment parler de tout ce qui est arrivé. Le moment va venir. Mais c'était quand même un moment très difficile. Une période sombre quand on se pose des questions vraiment. Dans mon foyer, exactement. Les enfants, c'était quand même très difficile. C'était très difficile. Vous avez laissé paraître des fois quelques phrases en disant je ne me reconnaissais plus moi-même, oui. Je m'enfermais, je ne savais plus si j'allais vivre. Et quand on arrive dans ces moments-là, sans peut-être connaître au final, on sait tous qu'il vous est arrivé quelque chose, sans peut-être connaître la chose puisque vous n'êtes pas encore prête, quand on arrive dans ces moments-là, à aucun moment donné, Nadège, on se dit pourquoi Dieu me fait ça? À aucun moment donné, on lui pose la question en lui disant mais. Je fais tout pour te plaire, je fais tout pour te suivre, même s'il n'y a pas de perfection. On n'y en veut pas à un moment donné. Lui en vouloir, non. Mais c'était des moments, j'ai passé aussi des moments de questionnement. Au fait, je suis passée dans toutes les phases. Oui. Des moments aussi des questionnements pour dire pourquoi moi. Seigneur, je sais que toute chose ne peut pas arriver sans que tu l'aies permise. Alors Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Au fait, ma question, ce n'était pas en vouloir à Dieu. Pendant ce moment de questionnement, c'était savoir pourquoi Dieu a voulu que je le vive. C'était pas, Seigneur, pourquoi tu veux me faire ça, cette étape-là, moi, je passe plus. Quand j'ai des problèmes, je passe plus. Aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai compris, mais pas en totalité. Vous savez que le Seigneur a des choses que vous allez comprendre peut-être plus tard encore. Je ne sais pas si Dieu voulait m'éprouver.
Parce que je comme Job, tu peux te dire, je fais pas ceci, je fais pas cela pour toi, je suis comme ça, je fais ça pour te plaire, je fais ça. Mais c'est Dieu qui connaît l'humain. En même temps, Dieu ne me fait pas passer par des circonstances sans que ça soit une leçon. Pour moi, chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est une école. C'est une leçon à tirer et tout ça. Et pour des fois aussi, être aussi un exemple. Tu dois être un matériel didactique. En étant enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, on est aussi en même temps, à un moment, nous sommes un matériel didactique que le Seigneur utilise pour toucher d'autres personnes. Alors, je me disais, Seigneur, si c'est pour être un matériel didactique, gloire à Dieu. Si c'est pour que j'apprenne quelque chose, gloire à Dieu. Au fait, j'étais arrivée à ce point-là. Alors, c'était des moments très difficiles, mais c'était des moments en même temps difficiles, de pleurs, mais en même temps, c'était un moment comme de... Parce que là, il y a quand même la mère de famille. Oui, c'était comme un moment, c'était plus... C'était, j'ai aimé le moment avec Dieu, seul. Parce que c'était vraiment le moment où j'étais seule avec le Seigneur. Alors, c'était le moment où... C'est comme si tu reviens à... Vous avez une amitié peut-être d'enfance. Hein? Vous aviez un ami ou bien une amie quand vous étiez petit. Et la joie de vous retrouver. C'était un peu ça aussi en même temps. Parce que Dieu commençait à me rappeler des paroles que j'avais oubliées avec les années. Des paroles qui revenaient comme ça, des paroles qu'il m'a dites il y a longtemps, quand j'étais petite, à un moment tel de ma vie, à un tel moment encore de ma vie. Alors ça, c'était des choses qui m'ont redonné la force pendant ce moment difficile. Parce que je me souviens un moment, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer, je dis, Seigneur, je sais, je n'ai même pas la force de tenir longtemps debout. Seigneur, je sais que tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas laisser le diable gagner. Est-ce que tu peux laisser, ça c'est une question que j'ai posée, est-ce que tu peux laisser le diable gagner? Alors, il m'a rappelé une parole qu'il m'a dite quand j'avais 18 ans. Ça c'est quelque chose, j'étais faible dans mon corps, mais j'étais comme... fortifié dans mon être intérieur. Il m'a rappelé, c'était des phrases claires. Il m'a dit, n'étais-je pas dit quand tu avais 18 ans à tel endroit, l'endroit, tout était cité, était clair. N'étais-je pas dit ce jour-là que tu étais la prunelle de mes yeux? Je n'ai pas changé. Je toucherai tout ce qui te touchera. Je m'occuperai de tout ce qui s'occuperont de toi. Ce qui se permettront de te toucher. Je m'occuperai d'eux. J'ai dit, oh Seigneur, donc tu ne laisseras pas le diable gagner, quoi. Et ça, ça a été quelque chose... Quelque chose de réconfortant? Oh non, j'étais faible dans la chair, mais pendant quelques minutes, j'ai sauté. Moi qui disais que je n'arrivais pas à tenir debout. Mais c'était quelque chose qui est revenu, boum, en moi. Alors, ce jour-là, j'ai dit, oh, ma prière avait complètement changé. Je commençais à me dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Mais je sais que ça va aller. Ça va passer. Et c'est comme ça. Non, c'est vraiment ça. C'est un moment qui était difficile, même quand vous pouvez le dire, comme une mère l'a dit, comme la femme. Mais dans toutes ces choses, il y a quelque chose que vous avez laissé transparaître. Vous avez dit, vous avez eu un mari exemplaire. Plus qu'un soutien. Il a été, en cette période-là, pasteur de Nadège, pas seulement époux de Nadège, ami de Nadège. Au fait, c'était bien d'avoir tous ces aspects-là. Être seulement ton ami, il t'écoute quand tu parles, tellement tu as des questions pour Dieu. Lui, il écoute tout ça. Quand tu es en train de te poser des questions, tu poses des questions à Dieu, mais il est là pour t'écouter. Sans te dire quoi que ce soit, il écoute. Il y a eu des moments où... tu as des pensées négatives, comme s'il savait. Et il entre directement pour te dire, hé, non, ça, je n'oublierai jamais, il me disait ça en lingala, il me disait, hé, Okoufate. Moi, c'est dans Okoufate. Tu vas vivre. Tu m'entends? Okoufate. Alors, c'était des moments très... C'était des moments vraiment... Des moments où il était vraiment pasteur. Il vient, il prie avec toi. Et c'était ça, au fait.
On tient d'ailleurs à vous féliciter, vous souhaitez joyeux anniversaire de 13 ans de mariage. Ah, selon vous, en beaucoup. Tant que pasteur, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'entreprenante et mère de famille, quel est le secret pour qu'un mariage puisse résister contre vents et marées, selon vous? Contre vents et marées. Ah, vous avez du kilomètre, vous avez non, de quoi nous dire. En fait, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse cash à donner directement. D'abord, il faut que, vous savez, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Alors, il faut d'abord que Dieu soit le socle, parce qu'on peut vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Il y a des gens qui ont tout suivi, mais le mariage a capoté. Alors, il faut dire que c'est pas ça. C'est pas toutes ces précautions, toutes ces choses. C'est d'abord Dieu. D'accord. Que Dieu soit la base de votre couple. Que Dieu soit le soutien de votre couple, mais en même temps que vous soyez de ces personnes qui déposent tout entre les mains du Seigneur, même quand ça ne va pas. Des personnes qui se tournent d'abord vers Dieu avant de réagir par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que dans le mariage, c'est pas une question « Ah, vous me prenez toutes mes réponses parce que j'ai un live que je dois faire avec tout ça. » Au fait, dans le mariage, c'est pas qui a raison, qui va gagner. Qui va gagner, qui va pas gagner. Ça ne peut pas être comme ça dans un couple. Qui va gagner, il n'y a pas qui gagne ou qui perd. Dans le mariage, on doit vivre bien. Alors, si vivre bien ce moment-là, c'était me taire, même si je savais que j'avais raison, je me tais pendant ce moment-là. Okay. Pour garder la paix. Alors, le mariage nous apprend aussi par rapport à notre relation avec le Seigneur. Je suis d'abord enfant de Dieu avant d'être épouse d'Atom Sumbuma. Je suis enfant de Dieu. Alors, il y a certaines choses, même quand il arrive dans le cadre du couple, je le prends pas seulement, il y a certaines choses, je le prends seulement en tant qu'épouse, en tant que femme, je le prends en tant qu'enfant de Dieu. Comment je devais réagir par rapport à cela? Et là, même quand tu avais peut-être une colère ou quelque chose à manifester, ça retombe. Parce qu'il est mon époux, mais il est aussi mon frère en Christ, mon frère dans le Seigneur. Il y a de ces choses qu'on sait régler comme ça. Alors, le secret, c'est tourner vers le Seigneur. C'est bien parce que c'est la plate tournante. Auriez-vous un message à donner à une personne qui doute encore des bienfaits de Dieu? Là, vous pouvez le regarder. Douter des bienfaits de Dieu. Le fait que vous viviez, que vous marchiez, c'est la bonté de Dieu pour vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui respire aussi facilement. Ce n'est pas tout le monde qui vit aussi librement. Il y a certaines personnes qui sont limitées dans leurs mouvements. Même par ça, vous ne pouvez pas voir la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu dans votre vie. Dieu, le fait que vous viviez, des fois, ce n'est pas seulement vers nous. Voir des choses extraordinaires se passer dans la vie d'autres personnes. Ça me montre les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu, je ne le vois pas seulement parce que ça se passe dans ma propre vie. Je vois les bontés de Dieu à travers les choses qui se passent autour de moi. Dieu, c'est comme je disais, quand je disais que Dieu se sert de nous comme matière, ce n'est pas seulement de nous, mais d'autres personnes. Moi, je peux être là en train de prier pour une chose et tu vois un ami, un frère à côté de toi témoigner. Lui, il a reçu l'exaucement et toi, tu étais toujours en train de prier, ça ne vient pas. Pour moi, c'est un encouragement. Au fait, pour moi, ça me montre, au fait, Dieu exauce. Donc, mon temps arrivera. Ce n'est qu'une question de timing. Alors, ne doutez pas de la bonté de Dieu. Vous vivez par la grâce de Dieu. Vous marchez par la grâce de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes par les bontés de Dieu. Dieu vous a fait grâce. Alors, croyez. Si vous croyez pas en cela, croyez même en moi. C'est un témoignage. Ndime Langaï. J'aime bien dire son lingala. Ndime Langaï. Croyez en ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que les personnes qui m'ont vu pendant toute la période où j'ai passé difficile, qui me voient maintenant, ne font que bénir Dieu. Exactement. Alors croyez, moi quand je vous dis que Dieu est bon, il est vraiment bon. Et à tous vos fanatiques qui adorent, qui aiment Nadège, on peut leur dire qu'aujourd'hui vraiment bonne santé, tout est oublié. Ça y est. Comme mon mari aime toujours dire, il y a toujours des traces, des combats, il y a toujours des traces. Je sais qu'il y a des gens qui se posent, son visage n'est plus vraiment comme il était avant. Ah mais oui, hein, je le sais, je suis la première à être au courant. Mais je vis,
Ok. Je vis. Alors, ça, c'est quelque chose que, qu'on ne pourra pas m'ôter. Je vis. Moi-même, je me suis vue en train de partir. Et là, quand je vis, je marche, je peux voyager, je peux être avec mes enfants, passer du temps. Et Dieu a été bon pour moi. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ne doutez jamais de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Peut-être que vous passez beaucoup de temps, vous priez pour quelque chose, ça n'arrive pas. Mais alors, ce qui est déjà arrivé, pourquoi vous vous focalisez seulement sur ce qui n'est pas encore arrivé? Focalisez-vous sur ce que Dieu a déjà fait, la vie, la bonne santé qu'il vous donne. Je vous assure, vous saurez apprécier la vie si vous passez par la mort. Vous saurez maintenant apprécier. Vous direz que le fait que je vive comme ça, c'est vraiment une grâce. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte maintenant, mais lorsque vous passez dans une situation où vous avez failli la perdre dans cette vie, vous commencerez à savourer, vous commencerez à dire merci à Dieu pour tous les jours, chaque jour qu'il vous donne. Dieu est bon. Il ne vous abandonnera jamais. Il reste fidèle. Alors, croyons en lui. Gardez votre foi en Dieu. Et non, regardez les circonstances. Amen. Que doit-on attendre de Nadège Mbouma en 2022? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Quelque chose de je ne sais pas, quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Il y a parce beaucoup que vous avez de plein projets. De casquettes en plus. Hein? Il y a beaucoup de casquettes en même temps. Dans certaines casquettes, il y a des projets aussi. Ouais. Dans la carrière, alors, je peux dire, musicale. En tout cas, ce qu'il faut savoir, musical, Nadège va faire beaucoup de concerts en 2022. Ah, quand même, avec cette période après Covid aussi. Nadège va faire beaucoup de concerts. Mais j'aimerais dire aux gens, en même temps, la Nadège que vous aviez connue, ce n'est plus la même Nadège que vous voyez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comme je disais, Dieu nous fait passer par des circonstances aussi pour apprendre certaines choses. Pour nous transformer, nous changer aussi premièrement. Vous savez, Dieu nous fait passer, même si Dieu permet des choses, mais Dieu nous vise nous. Les épreuves, bien sûr. Dieu nous vise nous. Alors, Dieu a fait quand même beaucoup de choses dans la vie de Nadège. Alors, rendez-vous en 2022. Pour nous de belles surprises. Les vivre ensemble. De belles surprises. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à une jeune artiste féminine qui aimerait avoir une carrière comme la vôtre, puisque vous êtes... une légende de la musique gospel. Si vous aurez un conseil d'une professionnelle et d'une aînée. Professionnelle, ça veut dire que vous vous êtes rendu compte que vous avez ce don, vous avez cette grâce-là de chanter. Travaillez votre voix parce que en même temps, lorsque nous chantons pour les seigneurs, nous le chantons, mais nous utilisons cet instrument qui est la voix. Alors, chanter, la musique est un art. Alors, il faut savoir travailler son art aussi, travailler votre voix. La voix est un instrument. La voix est un instrument. Moi, j'ai fait l'interprétation, j'ai un diplôme d'interprétation musicale à l'Institut national des arts. Alors, la voix est un instrument, vous devez la travailler. Vous devez, comment dire ça, l'emmener toujours un peu plus loin qu'aujourd'hui. À chaque fois que vous faites un travail, les gens doivent sentir une progression. Les gens doivent sentir que vous avez travaillé, que c'est votre voix doit changer, pas dans le sens de régresser, mais votre voix doit aller toujours de l'avant. Les choses ou bien les notes que vous n'arriviez pas à atteindre hier, que vous arriviez maintenant à l'atteindre, c'est un art. Du côté ministère et tout ça, s'il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu dans ce ministère, c'est travailler sur vous-même. Vous savez, les dons est beau, c'est bien, mais quand vous travaillez votre caractère, le don va durer dans le temps. Parce que vous travaillez aussi sur vous-même. Parce que lorsque vous ne travaillez pas votre caractère, vous pouvez tuer votre don. Alors, travaillez sur vous. Soyez dur avec vous-même. Soyez très dur avec vous-même par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me refuse? Même si ce sont des choses que j'aime, ce sont des choses que j'ai toujours aimées, appréciées. Suivez ce que Dieu vous demande, pas vos envies, pas vos passions. C'est en cela que vous allez durer dans le temps. C'est en cela que vous allez emmener votre don à la perfection. Faites confiance en Dieu. Restez au pied du Seigneur. J'aime toujours dire rester au pied du Seigneur parce que les gens disent, oh, Nadège, comme ça tu es connu.
être connu, c'était pas un but en soi. Moi, quand j'ai commencé à travailler, à chanter, c'est pas pour que je sois connu. J'étais seulement passionnée par ce que je voulais et je savais Dieu m'a appelé à ça. J'étais passionnée à faire ce que je devais faire. Mais vous savez, être connu, c'est Dieu qui le fait. Mais ça a des avantages quand même. Ah mais oui. Ah mais oui. Donc, restez au pied du Seigneur, soyez patient, restez au pied du Seigneur. Au moment opportun, le Seigneur va vous emmener là où il voudra. Au moment opportun, le Seigneur va vous emmener là où il voudra. Nous allons entrer dans notre dernière partie qui est Confiez-nous tout, mais pour que vous soyez un peu contents, on va quand même écouter Bakosale le côté. Baya kitango nati kakeku kenanga polele basala kinyonso po bakotisa Moinanga na molili kasi molimo azongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga yaza pole nanga na kobangeloko te Eloko te yawe oza na ngambo nanga nakobange eloko te eloko te. C'est vraiment super. Donc on souhaite plein de, comme on a dit, plein de vent encore à cet album Psaume, puisqu'il y a de très très belles mélodies à l'intérieur. Et voilà, que ça continue encore. Confiez-nous tout. Donc, confiez-nous tout, cette partie, là, maintenant, ça intéresse. Il n'y a pas de piège, là. Aucun piège. C'est-à-dire que c'est le plus simple. C'est-à-dire que là où vous avez répondu difficilement, là, ça va être rapide, même. OK, je vous fais confiance. Qu'est-ce que Nadège a que Atoms n'a pas? Il n'est pas Nadège. Déjà, il doit manquer de choses parce qu'il n'est pas Nadège. Il est Atoms. OK. Alors, il y a toujours des choses qui manquent. Il manquera toujours parce que moi, je suis moi. Dieu m'a créé complète en étant Nadège. Et lui, il a créé en tant qu'Atoms. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas, que Nadège a. Et vice-versa. Pas mal. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? En tout cas... S'il vous en reste un peu. S'il m'en reste un peu, j'aime lire. OK. J'aime lire, j'aime... passer du temps avec les enfants. Parce que je sais que ce métier est tellement... prenant. Et le temps n'est pas toujours aussi évident pour les enfants. Alors, dès que j'ai un temps libre à moi, un temps libre, des fois, ils sont à l'école. Là, je peux en profiter, lire la Bible, prier, aller au bureau et tout ça. Mais quand je suis là, j'ai fait tout ce que je devais faire comme travail. Et quand j'ai un temps libre, j'aime sortir avec les enfants, aller faire des tours. Histoire de, d'en profiter quand même. Passer du temps avec eux. Votre plat préféré? Moi, je viens d'une province, je suis originaire d'une province, on mange bien dans cette province-là. Et, quelle province? Quelle province? Je suis de la province de l'Équateur. Je suis mongo, 100%. De père et de mère, mongo, au fait. Décidément de père et de mère. Ah, cette histoire, oh mon Dieu, j'ai oublié. Ah, moi, je pensais parler de... Je suis mongo, que ce soit du côté de mon père et du côté de ma mère, je suis mongo. Alors, la bonne cuisine, en tout cas, c'est... Je crois le poisson, hein. Toutes sortes de poissons et la viande, au fait. On est dans tout ça. Ma mère... c'est plus sont du côté pêcheur, mon père chasseur et tout. Donc, on a grandi comme ça, la bonne viande, les bons poissons. Et c'est ce que j'aime. Les avec moussaka, quel accompagnement. Et tout ça là. Mais bon, malgré que je suis de ce côté-là, c'est pas, vous n'allez pas me voir trop dans les maquets. Foufou, ça va. Okay. Donc, le foufou, là, ça va. OK. Et... Si vous devez faire une autocritique, une qualité que vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. Il y a quelque chose qui freine toujours. Bon, j'ai vu aussi chez d'autres personnes. Chez moi, c'est la peur quand quelque chose arrive. La première réaction, c'est d'abord, j'arriverai pas.
Même si après, je le fais. Mm. Et ça, ce n'est pas bien. C'est quelque chose que j'ai commencé à travailler pour me dire que quand quelque chose arrive, il faut que je me dise, je vais y arriver directement. Oh. Bon, moi, c'était toujours, j'arriverai pas. Et là, je suis vraiment en train d'y travailler. Oui, ok, ça, c'est défaut. Et côté qualité? Qualité? Ah! Je suis ça. Ce que j'aime, moi-même, apprécie, c'est... comment dire ça? J'ai une confiance dans les gens. Au fait, nous vivons dans un temps où la confiance, elle est quand même un peu très difficile. Hein. Les gens sont méfiants, c'est de pire en pire. Les uns envers les autres. Mm. Les gens sont toujours en train de se poser la question. Il ne va pas faire ça. Bien, il m'a pas regardé bien. Moi, en tout cas, je suis le genre de personne. Je fais confiance. D'accord. Je fais confiance aux gens. Je pense que c'est une qualité que le Seigneur m'a donnée. Film préféré, ça veut dire s'il passe tout de suite à la télévision, vous n'allez pas zapper, vous le regarderez même si vous l'avez déjà vu. C'est un peu ça que j'appelle film préféré, ce serait lequel? Film. Mm. Ah, je ne suis plus dans les films, hein, trop même dans théâtre, les films. Même théâtre, rien, novelas. Ouf, j'aimais beaucoup le film. Mm. Quand je grandissais, j'aimais beaucoup les films hollywoodiens, les films romantiques et tout ça là. Oh, mon mari me dit des films qui se ressemblent, je dis oui, j'aime ça. Bon, mes enfants maintenant sont en train de me dire, quand j'ai un temps libre, ils disent, mamie, tu es toujours dans tes films de Noël. Pourquoi tu fais des films de Noël à tout moment? Donc, je suis dans les films de Noël. Moi, on y retrouve la joie de famille. Donc, c'est pas mal. Chanson à écouter, si j'en dans votre voiture, quelle chanson revient ces derniers temps, hormis la vôtre? En tout cas, dans ma voiture, actuellement, je ne vais pas mentir, c'est Psaume qui joue à tout moment. Donc, j'ai la clé USB de l'album. Pourquoi s'en imprégner, Bimi, déjà, ça fait un temps? Vous connaissez vous-même, d'ailleurs, vous êtes... Non, ce n'est pas une question, l'album, c'est nous qui l'avons fait, ou c'est Bimi, non. À chaque fois que j'écoute les chants, j'étais là moi-même à la réalisation de tout ça, mais c'est comme si les chants me revenaient encore, comme si ce n'était même plus moi qui était là dans la réalisation. Ça me parle. Okay. En fait, il y a des chants comme ça de saison. Alors, c'est vraiment la saison, j'écoute vraiment ces chants-là. Ok. Le dernier texto envoyé avant qu'on commence l'émission, à qui était-il adressé? Je n'ai pas envoyé des textos. J'ai fait un appel WhatsApp vidéo. Mm. Oui. C'était avec ma nièce. Elle est au Canada. Ok. Le pays de vos rêves pour une retraite, dans l'idéal, hein, puisque vous avez sillonné le monde entier. Retraite? La RDC. Dans tous les cas. Ce que vous aimez par-dessus tout? Ouf! De me sentir privilégiée. Ce que vous détestez au plus haut point? Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment le mot exact en français. La duplicité. Je n'aime pas des personnes qui ont... Double personnalité? Double personnalité. Ou bien qui te donnent notre image de ce qu'ils ne sont pas. J'aurais dit l'hypocrisie. Ah, l'hypocrisie. Ouais. Moi, je n'aime pas. D'accord. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas que tu sois avec moi. Dès que j'ai les dos tournés, celle-là et tout ça. Moi, quand j'ai un problème avec toi, tu vas le savoir. Je ne sais pas, les gens me disent, c'est par mes origines de l'Équateur. Ils sont très francs, très directs. Je n'ai pas besoin, j'ai le problème avec la sœur Ingrid, je n'ai pas besoin que la sœur Marlene soit au courant. Je vais voir la sœur Ingrid, je vais lui dire ce que je pense de ce qu'elle a fait ou bien de ce que je vois. Et puis c'est fini entre nous. Et puis quand c'est fini, j'ai tout oublié. Alors je n'aime pas les gens qui ont toujours double visage. Tu me souris et puis après derrière, j'entends que tu racontes des choses. Et je me dis, pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Parce que chacun doit avoir son opinion, c'est clair. Mais tu aurais pu me le dire au lieu d'aller dire des choses... Peut-être si tu m'avais posé la question, tu aurais eu mes explications. Tu n'aurais pas été dans ces états-là. Peut-être que tu aurais pu te dire, oh, je m'étais trompée. Mais vous voyez, quand les gens racontent, ils racontent sous leur angle de vue. Vous voyez, donc j'aime toujours qu'une personne soit vraie avec moi. Votre plus grand regret dans la vie? Ou l'un des plus grands peut-être, mais un au moins. Le regret, c'est le temps, quand j'ai fait perdre le temps à Dieu. En fait, quand il me dit de faire une chose, bon, c'est vrai que j'y ai travaillé, je commence à devenir prompte, mais j'ai beaucoup fait perdre du temps à Dieu comme ça, des années, toujours par rapport à ce que j'ai dit, à se dire, j'y arriverai pas. Ok. J'y arriverai pas. Alors, ça, c'était le plus grand regret. Je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps.
Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre vœu là tout de suite sans réfléchir? Baguette magique. Bon, si Dieu venait dans un songe et disait Nadège, que veux-tu que je fasse pour toi là tout de suite maintenant? Vous demanderez quoi? Ça n'arrive qu'une fois généralement. Hein. Mais bah, mon co- sans Il faut réfléchir. Être comme quelqu'un, on lui a dit, je peux tout te donner un sac de foufou. Non. Donc, waouh, Dieu. Mm. En tout cas, si c'est Dieu, que je ne rate pas le ciel. Parce que tout ce que nous faisons ici, prêcher, chanter, ça vaut quoi si à la fin, Dieu ne m'appelle pas fidèle? Vous n'êtes pas convaincu que vous irez au ciel? Non, ce n'est pas ça. Ce sera le vœu que je voudrais bien, que je ne rate pas. D'accord. Parce qu'on peut, on peut perdre ça. On peut perdre ça sur le parcours. Sur le parcours, donc, Seigneur, que je ne rate pas, je ne rate pas ça. Dernière question pour clôturer l'émission, c'est la question pro. Pour des gains reversés à une œuvre caritative ou alors un orphelinat ou encore pour la recherche du VIH, accepteriez-vous un featuring avec, je cite par exemple, Maman Bidiabel? Sincèrement, bon, je vous ai dit, j'aime être sincère, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, mon mari et moi personnellement, nous faisons des dons comme ça dans des orphelinats. Nous allons toujours en famille et les enfants parce que nous voulons aussi que nos enfants soient exposés à savoir qu'il y a des enfants aussi qui sont manquent. Là, qui manquent des parents, qui n'ont pas de papa, maman n'est pas là. Alors nous aimons faire cela chaque année, nous faisons toujours mon mari et moi, dans des hospices, tous dans des hommes des vieillards. Et c'est vraiment, c'est quelque chose que nous aimons faire, ça fait des années que nous le faisons, mon mari et moi. Alors, ce sont des choses qui me touchent. Oui. Je ne suis pas insensible par rapport à cela. Mmh. Alors, je fais de mon mieux pour aider, mais sans aider dans ce sens-là. Sans l'artiste mondaine. Donc, le featuring, vous ne l'accepterez pas? Même quand vous me dites artiste chrétien, je n'ai pas encore de réponse à vous donner. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu ce genre de proposition, en fait. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu. En tout cas, à tout. Vous voyez que c'était si simple. Est-ce que ma piège est Zalaki? Zéro Zalaki piège. Quand même. Zalaki quand même, mais ça va. Okay. Ça s'est bien passé. En tout cas, c'était un réel plaisir. Est-ce que vous aurez un dernier mot, peut-être pour clôturer, des remerciements, quelque chose? Et on clôture. Ah, les remerciements, d'abord, c'est Dieu. Et Dieu, comme nous sommes en cette fin d'année, vous voyez, quand vous êtes à la fin de l'année, il y a toujours comme un rétroviseur devant vous revoyez. Faire le bilan. Les bilans, toutes ces années qui sont passées et tout. Alors, j'aimerais dire merci à Dieu pour... comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes passé par la mort, vous savez apprécier, vous savez apprécier la vie. Et depuis cette période, chaque jour pour moi vraiment est un jour spécial. Je ne le prends plus comme un acquis. Je savoure. Alors il y a une décision aussi que j'ai prise pendant toute cette période, c'est passer du temps avec des personnes que j'aime, qui m'aiment. Ça ne sert à rien de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a dit sur moi, qu'est-ce que quelqu'un pense. Pensez ce que vous voulez, vous n'arrêterez jamais. Si quelqu'un a une mauvaise opinion de vous, quelqu'un ne vous aime pas, vous ne changerez pas cela. Mais passez du temps avec des personnes qui vous aiment, qui vous montrent leur soutien, qui vous aiment malgré les problèmes, les difficultés qui sont toujours là. Alors, je passe mon temps à faire du bien aux personnes qui m'aiment, aux personnes que Dieu a placées à mes côtés. C'est ce que je passe mon temps à faire. Que ce soit mon mari, mes enfants, les personnes que Dieu nous a données à côté. Je profite, au fait, je savoure cela. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours des choses, non, à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui meurent, le diable cherche les gens. Vous savez, le diable cherche les gens depuis janvier. C'est clair. Le diable n'attend pas décembre pour vous avoir. Alors, enlevez-vous cette fausse idée. Le diable vous cherche depuis janvier, février. Il vous cherche. Il vous cherche tous les jours. Il vous cherche à chaque instant. Mais gardez une seule chose. Au lieu de vous focaliser sur le diable, j'aimerais que vous vous focalisiez sur Christ. Le psalmiste est en train de dire dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Il dit aussi, l'Éternel est de mon côté. Je ne crains rien.
Alors, focalisez-vous sur le Seigneur. Qu'il reste votre lumière. Faites de votre mieux. Restez au pied du Seigneur. Que Dieu reste de votre... Vous rassurez-vous que Dieu est de votre côté. Alors, tout ce qui est diable, les hommes, les... ne vous en préoccupez plus. Lorsque Dieu est de votre côté, peu importe les circonstances, peu importe les stratégies des hommes, il est de votre côté. Bakosa de l'autre côté. C'est sur ces belles paroles, Bakosa de l'autre côté, qu'on va s'en terminer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était la sœur, pasteur, mère, maman, Nadège Mbouma, qui vous a fait plaisir. Merci à toute l'équipe avec Joe, Caps, Bruce, Samy. Et Laps, pour cette grande équipe qui a réalisé ces belles images. Merci à Karine Aouchey et à toutes les personnes qui nous suivent. Et aussi à maman Florence Tshisoaka. Un grand merci à vous. Restez connectés, restez branchés. Ah, j'en ai oublié. Matt, merci à toi. Et à Marine Saridi, un gros bisou de la Sainte Ingrid Kabongo. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte et le pasteur Nadège Mbouma, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.